Un appel téléphonique a commencé. Courage, chevalier de bronze. Vous devez décrocher le téléphone avant que votre correspondant ne laisse un message après le bip. N'écoutant que sa bravoure et la sonnerie retentissante, le chevalier Seyer fut le premier à foncer tête baissée pour prendre l'appel. Malheureusement, il rata une démarche de l'escalier et se ratatina lamentablement par terre, inconscient. Pendant ce temps, Shiryu, qui avait encore perdu la vue, avançait à tâtons en direction du terrible combiné. Hélas, c'est là qu'il trébucha sur le chevalier Pégase, qui était toujours étendu sur le sol, suite à sa terrible chute. Au même moment, Yoga, le chevalier du cygne, se mit à battre gracieusement des bras en pleurant sa défunte mère. Ce qui, comme d'habitude, ne servait absolument à rien, mais c'est l'intention qui compte. Se retrouvant seul face au téléphone maudit, Andromède poussa alors l'intensité de sa course pour énergie au plus haut point, mais ne s'en servit pas, préférant attendre que son frère, le phénix, vienne une fois de plus à leur rescousse et prononce ces simples mots « Allô, c'est qui ?»